Alors, on est de retour sur Demon's Souls. Demon's Souls. C'est toujours un truc avec ça. Alors, il n'y a toujours pas la caméra pour une raison simple, c'est que je n'ai aucune idée d'où sont mes lunettes. C'est-à-dire que j'ai promis mes lunettes. Et malheureusement, bah. Là, du coup, je suis près de l'écran. Et même si je mettais la caméra, je regarde un mongol. Déjà que j'en ai. Déjà que j'ai regardé un mongol en général. 3410 âmes. Ah, c'est qui déjà? J'allégerai volontiers votre fardeau et veillerai sur votre équipement, entre autres. Ah, on peut lui remettre des trucs de réserve, d'accord. Vieille épice. Ah, ça c'est pratique, les épices rendent des PM. Preuve qu'à ce signal, vous acceptez la torture de démon. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je vous souhaite bonne chance. C'est qui du coup vend? Parce que Kane m'avait dit qu'il pouvait acheter des. Qu'y a-t-il? Cherchez. C'est entendu. Ah, ok. Par contre, dis-moi, c'est qui le vendeur qui vend normalement. Enfin, le sort boule de feu au Nexus? Cet enfoiré. Voilà, bah. Plein de mini conseils en fait, c'est le couloir des conseils. Ah bon? Donc talisman catalyseur, très bien, c'est Et t'as une idée d'où on le trouve dans le Nexus? On remarque qu'il est pas infini, je finirai par le trouver. Cet enfoiré. Enfin, cet enfoiré, mais utile. Ah! Vous venez chasser les démons? Et il a les mêmes Alors, pitié, libérez Freck le sage de sa cellule à l'Atria. Je vous aiderai autant que possible. Je peux vous apprendre des sorts de base. Ah, je l'ai trouvé, c'est un rouquin. Freck le sage est un espoir pour tous les hommes, mais je n'ai pas la force de le libérer seul. Tire de flamme, voilà ça. Ouais. Gare, normalement, je devais faire une exception pour sauver. Si c'est comme dans Dark Souls, normalement, ça. Ah, c'est vrai. Mais est-ce que c'est comme de Blood. Pas Blood. Si Bloodborne. Dans Bloodborne, il y a des éléments qu'on récupère, je crois que c'est des cordons ombilicales. On peut les utiliser, mais sinon, si on les garde, ça nous aide pour débloquer une défunte. Et aussi, si on augmente suffisamment, je crois, la lucidité, ou si on l'augmente pas trop. Je sais plus, c'est un des deux. On peut voir les anciennes divinités, en fait, du monde. Excusez-moi. Donc. Âme de défense. Eh ben voilà. Vous voulez prendre un cours de magie? Ouais, enchantement d'armes, ça m'intéresse. Merci. Ah, flèche d'âme. On voit un torrent de feu. Mais je ne peux en prendre qu'un, c'est qui est chiant.
essayer d'y aller avec ça. Alors il m'avait conseillé quel donjon déjà. Celui de la tempête, ok d'accord. Celui de la tempête. Je peux vous forger des. Oui non, pour réparer oui. Mais il a pas d'arme intéressante lui non. Attention à vous. Trop faible, ça va. Non mais. Attends. Je peux vous forger des armes. En force, il faut 9. Rien ne vous tente, hein? Qui a dit cherchez-vous le pouvoir des armes? Peut-être. J'ai toujours. J'étais là au réveil. Non mais. Qui a-t-il ? Cherchez-vous le coup. Bien sûr. Après. Allez, laissez ces âmes. Âmes spirituelles. Essence de la vie. Mais j'ai assez. Âme perdue. Attendez. J'attendrai votre retour. Je suis. Je peux vous forger des armes. Non. C'est pas ça. Rien ne vous tente, hein? Je ne dors pas. C'est le niveau d'âme 1. Vous touchez le démon. Âme spirituelle. J'avais augmenté mon niveau d'âme avant, non? Âme perdue, arrachée à son vaisseau. Que force soit accordée pour que le monde soit purifié. Pour que le monde soit purifié. Ça vous suffit? Puisse votre force aider. Petit roi. Non, c'est pas celui-là, c'est ma part. Ah, deux secondes. Excusez-moi. Alors. Tour de la tienne. Ah. Ah, sanctuaire des tempêtes. C'est le sanctuaire des tempêtes dont tu me parlais. Je crois que c'est ça à mon avis. C'est ça dont tu devais me parler. Tu peux l'autre, c'est quoi? Valve en jeu, non. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Donc là, il m'avait parlé. Tu me parlais de tempête, le seul qui a un truc avec tempête, c'est ça. Ah, c'est la Bretagne, hein. Ça va. Bon. Salut. Ouais, on commence doucement là. Les appels de personnes pour vaincre l'ennemi. Ah, c'est ce qu'il me disait. Appel au point pour vaincre l'ennemi. Ah putain, c'est rapide.
Ah ouais, ça rigole pas. Eh, une idée, c'est très bien ça pour commencer, t'inquiète. Dès le début, t'as un machin, il fait des pirouettes. Ça, ça donne des âmes. Mais ça commence bien. Ça commence bien. Ouais, maintenant, faut dasher maintenant. Regardez à la tête. Quoi? Putain, c'est même les conseils, c'est plus des conseils. Ça va être compliqué cette histoire. Hein. Ah ouais. Ah ouais, il est pas con. À gauche. Ah, oui. De la bœuf. C'est bon, on a trouvé la bœuf, les mecs. Moi, il est mort, lui. Avec une hache. Alors, est-ce que... Maintenant, je maîtrise la boule de feu. Incendio, je maîtrise. Allez, je saigne. Cet enfoiré, coupe. Il fait des roulades. Mais... ça va être compliqué cette histoire. Hein. Si je consomme autant de bœufs, je vais devenir dépendant à la fin. Je souffre de saignement. C'est quoi qui permet de guérir les saignements? Ah, c'est ça. Et Kane, il m'a dit vas-y, t'inquiète, c'est bon pour toi ça. Putain, ce traquenard. Il y a un dragon ici, enfin il y a une wyverne ici aussi. D'ailleurs, c'est vrai que moi, bêtement, je pensais vraiment que à une époque, le Demon Souls s'est passé avant Dark Souls. Bah déjà, rien qu'à cause de la fin des noms, quoi. Demon Souls, Dark Souls, non, logique que tu peux te rapprocher. Putain, mais ils sont deux maintenant. Ah, et ça tire des flèches. Ça tire des flèches magiques. Okay. Donc autant m'occuper d'abord du mec qui roule vers moi. Alors c'est en plus que je me coince dans les rochers, ça va pas le faire. Mais il me casse les couilles. Mais c'est quoi ces saltimbanques? Génial Soul River, on en parlait avec Kane. Moi j'attends un remake, hein. Moi je veux un remake. En plus on avait... En plus c'est vraiment une licence qui avait du potentiel. Je sais pas pourquoi ils ont pas voulu continuer après. Ils ont laissé tomber, c'est une licence qui est tombée dans l'oubli. Soul River c'est une licence incroyable. On va trouver le saut de la mort, apporter plus d'âme que haut. Mais oui, mais en plus c'est pas une blague, c'est vraiment une très bonne licence à la base Soul River. En plus on avait le préquel et tout. Allez, et j'ai oublié qu'il y avait les rochers. Allez, c'est parti, allez. Mais il commence. Ah putain, taxi driver. C'est juste driver. Putain, ce...
tu jouais un taxi, tu pouvais défoncer, mais tu pouvais vraiment tout foutre en l'air et tout. Récupérer ses âmes. Yes. Attends. Allez, viens là. Ah oui, c'est des drivers tout court. Ah. Ah, ça peut aider pour aimer, hein. Le truc. Il y a un truc que je regrettais d'ailleurs pour parce que Ubisoft à un moment donné ils avaient une poule aux œufs d'or avec la licence Taxi. Ils ont défoncé, mais vraiment ils ont foutu en l'air, c'est vraiment dommage. Mais ça me... Kane, voir qu'on règle nos comptes un jour. Va là-bas Mathieu, ça va t'aider. Définis aider s'il te plaît. Elle est où mon âme? Je suis mort. Ah oui, là. Salut, Rita. Je suis en train de me faire niquer ma race, mais c'est quelque chose de bien qu'on fait là. Ça va, moi je suis dégoûté parce que bon, les transports c'est de la merde en ce moment. Enfin, il y a les grèves, tout ça. C'est un peu chier. Non, mais. Ça compte pas le meuble là. Et maintenant je brûle tout. Ouais, c'est vraiment. Kane qui m'a dit vas-y, va dans ce monde, tu vas voir, c'est fait pour toi, tu vas voir. C'est... Je me fais niquer ma race depuis tout à l'heure. C'est le début. Genre, c'est les premières marches. C'est super chiant. On se donne les transports vraiment. J'avais une copine qui avait passé à la maison, les trains aussi, il y a des problèmes. De toute manière, de base, hein, c'est pour ça que moi ça me fait marrer les JO. Paris, ça marche pas en général. Qu'est-ce que vous voulez que ça marche pendant les JO? Moi, Paris, j'ai jamais vu bien fonctionner. Hein. J'ai jamais vu Paris bien fonctionner. En place en elle-même. Ouais, les puces de lit, les rats, Hidalgo, on en a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Comment ça purifier ? Purifier tout par le feu, comme dans les Saintes Écritures. Même les Uber Eats? Mais tu dis que c'est connerie encore. Et vas-y, viens. Je suis en stade de ma vie. Vas-y. De toute manière, je suis déjà un mort-vivant. Bon, faites bien. Les gens qui fument et qui pissent aussi. Oui, je discutais avec un agent de la municipalité. Le pauvre, il nettoie les toilettes publiques. Enfin, les cabines de toilettes gratuites là en plus. Oui aussi. Les femmes elles en chient, mais vraiment, mais Paris. Bah, c'est pour ça que je comprends pas, genre ville lumière. Quelle ville lumière? Vous parlez des gyrophares là? Des flics, des ambulances et tout qui arrêtent pas de courir et du coup on voit des lumières de partout. Bah, le seul côté ville lumière que je connais à Paris, c'est le fait que tous les ans il y a des trucs qui crament. Ville des radars. C'est pour ça que je me dis, mais Hidalgo, à un moment donné, mais franchement, mais un jour, il va falloir qu'on règle nos comptes. Hein. Un jour,
il va y avoir des comptes à régler. Hein. Ça, c'est fait. Badler. C'est quoi ça? Je connais Badlel, je connais pas Badler. Je connais Baudelaire, allez. Ouais, hein, le pass navio tout. En fait, le Paris, vivre à Paris, c'est devenu plus cher, mais c'est pas devenu mieux. Là où il y a une sorte de paradoxe, c'est juste des attirer un par un. Putain, mais c'est quoi ça? Ça roule depuis tout à l'heure. C'est une Beyblade le machin. C'est ça. En fait, Paris, c'est devenu la ville du luxe pauvre. C'est-à-dire que c'est censé être une ville qui a une grande... Les gens ont une grande... Oui, même les étrangers, hein. Ils disent, oh, putain, j'ai fait mes études à Paris. Ouais, non. Ou alors, putain, je vais faire... On va faire notre voyage de noces à Paris. Ouais, non, non, je ne sais pas. À la limite... Aller à Toulouse, aller, je sais pas moi, à Bordeaux, mais... Strasbourg, c'est joli aussi. C'est quoi ce cri, là? Putain, mais... Ah mon culé. Ah, j'ai plus de magie. Aïe. Là ça va être compliqué. Je vais me mettre en dessous. Attends que la magie se régénère. Attends, c'est quoi le wait what? J'ai vu un truc. Oui, je voulais y aller pour Noël, j'ai pas d'argent. Mais je t'épouse à Paris, elle. Tu m'aimes pas. C'est On va à Paris. Pourquoi est-ce qu'on va à Paris, chérie? Parce que j'ai plein. Et que là-bas, visiblement, on peut faire la manche très facilement. Non, mais c'est vrai que quand tu réfléchis, Paris, moi c'est pour ça. Moi je viens du sud, hein. Toulouse, franchement, c'est merveilleux la nuit, hein. Même en journée, c'est très beau, c'est apaisant. Il y a des parcs de partout. Alors là, niveau verdure. Putain, je meurs de mes couilles. Attendez. Il y a un abusé normalement qui rend les épices. Et ben voilà les épices. L'île assez polluée comme Grenoble. Moi je pense, par exemple, je ne conseille pas Grenoble. Je ne conseillerais pas Grenoble avec quelqu'un. Dans le genre, moi je suis un détecteur de pollution. Ouais, Dunkerque, ouais, ouais, ouais. Et puis en plus, avec un peu de chance, tu peux participer à des reconstitutions. tu peux t'habiller en soldat français, ou alors combattant les Allemands, ou alors tu peux t'habiller en soldat anglais qui prend la fuite, la queue entre les jambes. C'est, ouais, Dunkerque, ouais, beaucoup de possibilités. Pour ça, ça m'avait fait marrer d'ailleurs le film Dunkerque, Nolan. Mec, on n'a pas étudié les mêmes faits historiques, hein. Et dans les mains des écoles, donc. Des écolos, tu veux dire? Mais c'est bizarre, hein, parce que s'il y a des écolos là-bas, à mon avis, ils sont aveugles, sourds et ils utilisent des masques à oxygène. En vrai, j'ai envie de vous dire en fait que quasiment toutes les villes sont mieux que Paris. Quasiment. Ouais, bon, il y a des villes genre Marseille, tu sais, à choisir, je préfère rester à Paris. Mais globalement, Boulogne-Billancourt. Allez, après être mort 398 fois et des poussières, on est plus à ça niveau nombre de chiffres, tu peux enfin passer la porte. Demi-tour. C'est quoi ça? C'est pour toi et tout, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu veux que je fasse quoi moi contre ça? Attendez, moi j'envoie une photo à Boulogne-sur-Mer, d'accord.
Ouais, une fois toi Ken, je me suis fait enculer moi dans cette histoire. Hein. T'appelles ça facile toi? Après, c'est en vrai, ça peut donner lieu à des gags, hein. Chérie, on va en vacances à Boulogne. C'est quoi cette merde qui vole? Boulogne. Boulogne-sur-Mer? Ah non, non, moi je pensais à Boulogne-Billancourt. C'est pas très cher là-bas. Donc il y a une raie qui vole. Et idem, moi aussi. Attends. Il manque que des la Kane dans l'histoire. Il y a une raie volante. Et il y a un démon, un boss de fin de Darksiders. Je sais pas, il était chez moi, je pensais. Allez. Et à d'autres kangourous. Attention, un piège. Attention, un piège. Vas-y, meurs pour moi. Je suis le mec qui va y aller à ma place. What? Il est mort de quoi? Ça va pas m'aider cette histoire. Je vais voir sur Google Maps. Ah ouais! Quelqu'un de 90 kills. Putain, c'est vrai? C'est une blague. Plus de ma gueule. Et. J'ai fini ce gros. Smoothboard. Je commence à prendre la main. Les squelettes, faut pas les approcher, ou le moins possible. Il y a un piège auquel il faut. Alors, je sais pas si mon bouclier pourrait me défendre. Sinon, qu'est-ce que c'est? C'est... Oui, il m'a dit de faire le premier boss de chaque niveau. Faut déjà que j'arrive au premier boss de ce niveau-là, en fait. Déjà, faut que j'arrive jusqu'à la porte. C'est l'objectif. La porte. C'est bien, ça. Ah, j'ai compris. Ah, le mec 10 ans plus tard quoi. En fait, eux font des roulades. Toi par réflexe, tu fais une roulade. Sauf qu'en fait, vu que vous faites la roulade à peu près au même moment, quand vous avez terminé votre roulade, lui il a fini la sienne. C'était pas encore truc. Oui, oui. Et je viens de comprendre comment. En fait, faut le laisser faire cette attaque, l'attaquer. Récupérer de la vie avec un peu de beuh. La beuh est ton meilleur ami. Fume la beuh, Luc. RDV garde du Nord, enculé. Tu veux, c'est dans quel gag ça? On fera peut-être Jedi Fallen Order après parce que j'ai envie d'avoir une vie sociale. Si vous voulez, on peut faire du Hogwarts Legacy, c'est comme vous voulez. Ou si Yuki veut bien se ramener, il y a peut-être moyen qu'on finisse Nier Replicant ou qu'on lui mette ses fameux champignons. Ah putain, c'est vrai, j'ai oublié les deux connards en haut. Ah, Incendio, c'est un peu compliqué. Hein. Un Cassos, moi j'en ai vu un sur le groupe de Psycho tout à l'heure. Hein. Là, le mec, il y a une vidéo qui m'avait fait un peu marrer. Le gag sur un soi-disant complot. Comme quoi, en fait, les rappeurs, répétaient des messages subliminaux gays et LGBT dans leurs chansons. Même juste l'image des rappeurs en général.
Le mec, il me met soigne ton racisme. C'est quoi le rapport, connard? La bêche hein, niveau magie là. Ah, c'est fait. Dame. J'ai une biscotte. Qui ont 110 kilos d'amour. Oui. Avec des tendances à la boxe. Très poussée, très fan de boxe. Booster ma vie. J'ai pas un jeu d'horreur que je devais vous faire, moi. Je suis un peu... Elle est où l'autre? Hein? Vous recherchez le pouvoir des âmes? Ah non, je cherche le bordel le plus proche. Bah oui. Touchez le démon qui me hante. Âme perdue, arrachée à son vaisseau. Que force soit accueillie. C'est quoi cette espèce de poétesse émo-gothique, dépressive? C'est chaud quand même avec elle. Imagine ton couple avec ça. Le monde est si sombre et noir. Quelle raison à vous. Alors du coup, chérie, je vais chercher à manger ou pas? C'est la diète ce soir. Pour rechercher le pouvoir des âmes, non? La doublure cascade des jets. D'ailleurs, on a retrouvé JDG le gros. Hein. Âme spirituelle, essence de la vie. Intérêt à payer tout cet investissement. Âme perdue, très bien. À son vaisseau. Oh ta gueule. Je me souviens plus, on l'avait retrouvé dans un jeu. Je sais un peu, au cours d'une partie, on l'avait retrouvé dans un jeu, mais j'arrive plus à le faire. Wait. C'est pas le bon endroit, ça. Non, mais. Au grenier. Du coup, t'es dans la cuisine? Je suis trompé, moi, de côté, c'est pas ça. Il est en train de négocier avec Alexa ou ça se passe comment? Peu importe l'endroit. Ah, ça dépend. Si elle est dans. Ça dépend. Ouais, vite fait ça. Bien. Jusqu'avant j'enlevais pile la moitié de sa vie, maintenant un peu plus. Surtout à la cuisine, parce qu'il y a des couteaux. Un peu de style dans son... Mais les femmes portent des bottes. Les boots aussi, les bottines. En fait, ouais, ça se voit légèrement à l'amélioration en magie, mais c'est pas encore assez. C'est pas assez. Et vas-y, meurs. De toute manière, t'es déjà mort. Ouais, les ex que j'avais, pour la plupart, elles adoraient les boots. Les bottes aussi avec l'intérieur, un intérieur fourrure et un petit à la sortie de la botte, un petit collier de fourrure. Ah, les femmes très portées sur le braconnage, hein. J'ai jamais assez. Mais ta soeur, putain. Ouais, même j'avais même une qui sortait des. Des chaussettes épaisses, des classes de pierre tranchant. Bonne nuit. Ah, il y a un sorcier ou une sorcière.
Et là, qui tentent leur chance. Ouais, c'est pour ça, moi, que je cuisine, en fait. Vous croyez que c'est parce que je suis féministe? Parce que j'ai pas envie de mourir empoisonné. Attendez, j'ai eu deux intoxications alimentaires à cause de mes ex, une à cause de ma mère. Vous voyez, mon estomac, il n'est pas à toute épreuve, hein. Il peut supporter des choses, mais faut pas déconner non plus. Corps récupéré, génial. Toute ma life. Il y a deux enculés en haut qui se sont pris pour Green Arrow. Ouais, c'est génial, les chaussettes en laine. Vous tuez un koala, vous en faites des chaussettes. C'est le kiff. Donc, si j'ai bien compris, là-bas, il y a un piège. Le piège, c'est cette merde. Ah, mais faut bien qu'on le passe un jour, hein, ce piège. Il est mort, lui. Ah, il m'a l'air mort. Ah, panda à chaque pied, c'est ça? Bah, moi, ouais, moi aussi, mais ça dépend. C'est-à-dire que... Mais prends son armure, putain. Et un cadavre avec... J'ai jamais compris ça dans les jeux vidéo. Il y a un cadavre avec une armure et tout. Je dis, oh putain, mais c'est génial, ça. Je peux récupérer une armure gratis. Attention, squelette droit devant. En même temps, avec des squelettes, ici. À la limite, tu me dis attention, dragon droit devant. Ouais, oula. Ah oui, d'accord. Particulier, celui-là. Vas-y, c'est la magie. Putain, j'ai spammé comment c'est là. Ouais, franchement, je suis comme Gangou. Moi, le froid, ça va. Moi je sors en blazer. Tout à l'heure il y avait tout le monde qui flippait et tout. Ouais, tout le monde flippait. Tout le monde, enfin flippait. C'est tous des frileux. Ils étaient là avec leur doudoune, etc. Moi j'étais en blazer, chemise, manche courte. Ah, franchement, 300 plus 1. Cimetière. Ça veut dire quoi dans l'autre truc? Mais non, connard, ça veut dire quoi le machin qui est en bleu là? Attendez. Félicitations. C'est vraiment. Ça va, il y avait un squelette. Je sais pas si. Alors pour l'anecdote, Demon's Souls c'est quand même le plus accessible. Je vois le chauffage dans sa tête. Il a oublié de préciser qu'il est aussi monté comme un cheval dans Red Dead. Non, j'ai jamais fait gaffe, dans Red Dead on peut voir la queue des chevaux. Pas celle, pas la queue arrière, on va dire. Il y en a qui vont me comprendre. Ah, putain, c'est par là pour essayer d'aller ces enculés. Putain, mais je t'ai pas buté toi. Ouais, la queue en dessous. C'est quoi cette Raymanta qui vole? Ah, elle montait que des juments. Bah ouais, tu sais que ça se comprend. Ah, mais pour la viser... Putain, bah déjà, pour la viser, il faudrait que j'ai un angle. Il y a une épée là-bas, j'ai l'impression. Et ça, là, là-bas, là, ça vous semble un boss normal, ça? Ou facile? Ah, t'es sur Red Dead? Ah, si vous voulez, on pourrait se mettre sur Red Dead, ça peut être marrant. Ah, il y en a plein des comme ça, visiblement, il n'y en a pas qu'un. Merde. Merde. C'était pas une chute prévue, ça.
à deux doigts de tomber dans le piège. Clé en cuivre. Et là, il y a trois tirs, là. Ah non, il y a six tirs, en fait. Tu te fais enculer, quoi qu'il arrive. Je suis imbattable. Oui, à cette époque, seules les femmes et les pasteurs montaient des femelles. C'est pourtant le cas d'Arthur Morgan. Ah. Ah, peut-être elles étaient plus dociles aussi, hein. Ça peut jouer, ça. Hein. Si tu montes Tornado et qu'après il essaye de te la faire à l'envers, t'auras l'air fin. Comment elle va là-bas? Qui me tire dessus, hein? Et tu me demandais. Oula, ça c'est loin. Est-ce qu'il y a les chevaux des chevaliers de les cavaliers de l'apocalypse, Sudo? Attendez, là tu descends, tu remontes pas. C'est un homme saint, c'est l'église. Ça peut coller. Arthur, ça rappelle le célèbre roi des rois, Arthur Pendragon. Attendez. Moi, si je vais là-bas, je me fais niquer, en fait. Attendez. On va repartir et pousser un peu le petit... Ah, d'ailleurs, je l'appelais Artorius, moi. Hein. C'est tiré d'Arthur, Artorius. C'est l'un des noms attitrés... Enfin, l'un des prénoms qui est attribué à Arthur Pendragon. On pense, en fait, qu'il y avait un certain Lucius... quoi. Qui aurait pu être le fameux Arthur Pendragon qu'on connaît tous. On voit un... Effectivement, oui, un cheval vert est possible. Et un cheval rouge, parce que je crois qu'il y avait le cheval de Death et le cheval de War. D'ailleurs, ils ont intérêt à faire un vrai Darksiders pour Strife, hein. Parce que Darksider Genesis, là, non. Moi, je considère ça comme une arnaque. Ah, différentes façons. Moi, avant, je me baladais. Dès que je tombais sur un mec un peu louche, un peu tordu, qui tirait sur tout le monde, je le butais. Après, je prenais son cheval. Ça réglait mes problèmes. Non, mais enculé, c'est pas là que je vais aller. On va retrouver Cal après, à mon avis. D'ailleurs, c'est pour ça que je mettrai pas de titre aux vidéos sur Dark Souls pour la VOD. Ah! Comment vous appelez J'ai l'habitude de les d'appeler mon cheval Arion. C'est un cheval de la mythologie grecque. On dit qu'il mangeait de l'or, ses sabots étaient faits d'or et il courait plus vite que n'importe qui ou n'importe quoi. Âme spirituelle, essence de la vie. Essence de... Ouais, de la vie. Ça dépend des moments, les tours de la vie. Son vaisseau. Que force soit accordée afin que le monde soit purifié. Pour que le monde soit purifié. Amen. Billy. J'avais un pote qui lui donnait des noms de gâteaux, genre granola, pépito. Votre force aider à purifier le monde. Bien évidemment, utilisons après des termes bien, bien marrants et racistes, du genre. J'ai fait quoi là? Attendez, c'est quoi ça que je viens d'utiliser? Ah non, attire ceux qui ont soif d'âme. Ah, mais non. Ça met une pique pour le prix. Red Dead, moi, ce que je trouve vraiment magnifique, c'est que vraiment, ils avaient pensé à tout. Je peux vous forger des armes pour un bon prix. Ils ont vraiment...
Ce pourquoi je suis vraiment dégoûté, c'est pour pas de l'air. Attention à vous. Adler. Mais bref, ce qui m'intéresse, c'est l'arme. Rang E. Mais ça offre aucun avantage, cette merde. C'est un fauchon, moi, tout ça. Mais non. Celle-là, en fait, je suis fait bouillonner. Je peux vous forger des armes pour un bon prix. Non, moi, je regarde pas le genre, moi, quand je sauve des gens. Par contre, après, il faut me payer. Carcasse, ça passe comme ça. Il y a quelqu'un qui crie au téléphone, je sais pas si... Brise armure. Ah, j'avais droppé deux fois brise armure. Pas assez. Attention à vous. J'ai besoin de plier. Attendez, fauchon de poisson, il est là. Mais c'est l'autre plus, j'en ai pas besoin. Et je peux pas vendre, on peut pas vendre dans Demon's Souls. Salut Hades. On peut pas vendre. Hein, déjà que je me suis fait enculer par Kane. On peut rien vendre dans Demon's Souls, ça va être compliqué cette histoire. Attendez, si on peut même plus vendre des objets, c'est toujours... Avoir un lasso à la main, j'allégerai volontiers votre fardeau et veillerai sur votre équipement en trop. N'ayez crainte, je veillerai sur vos possessions. Voler mes possessions. Je vous souhaite bonne chance. Allez. D'ailleurs, vous avez remarqué que c'est un peu calme en ce moment, il n'y a pas beaucoup de polémiques. Ça a l'air de s'être un peu tassé toutes les histoires là. Enfin, à moins que je les appelle un peu. Ça a l'air de s'être tassé un peu. De l'année en moins une éclat de pierre tranchant. Non mais moi je parlais pas de ça, je parlais des débats de la psychosphère ou la c'est quoi déjà l'autre option. Ça va, je prends la chute à fond. Ça rentre, le métier rentre. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils aient pas fait un vrai bon remake du premier Red Dead, quoi. Je veux dire, nous balancer. En plus, ça a pris fort, hein. Le premier Red Dead, franchement, les mecs, ça se voit. Vraiment, ça se voit.
En plus, c'est pas comme si aller voir bon, dans le faire beaucoup de choses. Hein. Je veux dire, globalement, vous prenez tout ce que vous avez mis dans Red Dead 2, vous le mettez un peu d'actualité, c'est bon. Hein. J'aimais bien aussi qu'ils aient gardé quand même la chasse. Après, je me souviens pas s'ils ont remis des easter eggs, enfin, non. Des trucs genre... Qui se souvient du cannibale dans le premier? Où tu comprends d'une certaine façon en fait qu'il est cannibale. Le mec au début te demande de l'aide et après t'apprends en réalité il est cannibale. Ils m'ont vu, ils sont réveillés. Allez, au boulot, Roger. Ok, ça marche. Roger, Robert, aïe. D'ailleurs, Raymond, il a obtenu enfin un coéquipier dans Scène de ménage. C'est bon, ta compagne étant morte, on a très regretté Huguette, que tout le monde aimait. Enfin, moi, j'adorais. Après, j'étais beaucoup plus Raymond, parce que bon, bah c'est lui qui a doublé plein de persos de Disney. Hein. Baloo, par exemple, dans le livre de la jungle, c'est lui. Il a doublé plein, je crois que c'est même lui qui fait la voix du mec, enfin du chat de gouttière dans les Aristochats. Attendez. Déjà, il a fait tellement de choses, il a fait tellement de personnages qu'on connaît. Au bout d'un moment, le mec, il rentre dans la légende. Ah bon? C'est Gérard Hernandez. Il ressemble à mon grand-père. Parce que lui, il avait encore des cheveux sur la tête. Alors, ouais, nationalité espagnole jusqu'en 75. De 33 à 75, il était espagnol, après il devient français. Doublage. Alors, il y en a qui parleront pas. Colorado en 1966, c'est lui qui fait Cuchillo, alors personne ne va parler. Escro Macho Gigolo, personne ne va parler. D'abord, Sauvage, si ça peut parler à certains. Le parrain, Narodine, c'est lui qui le fait. La chevauchée. Oh, les 7 mercenaires! Ah non, la chevauchée des 7 mercenaires? Il était dessus? Lucky Luke, c'est lui qui double les Dalton. Enfin, c'est lui qui double l'un des Dalton. Couleur de l'arnaque, Apocalypse Now. Le photographe, c'est lui. Le retour de la Panthère Rose. La malédiction de la Panthère Rose, c'est lui. Les Schtroumpfs, c'est lui qui double le grand Schtroumpf. Même dans les films récents. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, ça parle à personne parmi les autres. Django, c'est lui qui faisait les voix additionnelles. Fantomas contre Scotland, je savais même pas. C'est lui qui fait la voix du cheval, qui parle. Je vais pisser, je peux prendre ma vie. C'est vraiment le nom d'un film ou d'une pièce. Alors ensuite, c'est vrai. Trois gars, deux filles. Moi j'appelle. Moi franchement, c'est trois gars, une fille, et là c'est parfait. Ah d'accord. Parce que ça aurait pu, connaissant le personnage, ça aurait pu. Hein. Enfin, concernant le doubleur. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Pancho Villa. Ça va parler à personne. Deux filles, ça va parler à personne. Rendez. Non, les cultes des 7 mercenaires. C'est pas. Faut pas croire, hein. Le concept des 7 mercenaires, c'est un truc qui a tourné. Hein. Tous de rien, mais ça.
Parce que moi j'ai presque cru, tu sais, concernant le personnage. Tu sais, c'est jouable. Django arrive, préparez vos cercueils, c'est lui aussi qui était dedans. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Charlie et la chocolaterie, le journaliste. Alors là, je parle du film Charlie et la chocolaterie de 71, pas celui avec Johnny Depp. Là, voilà, film d'animation. Bambi, lui, il a fait le hibou. Il a... Attends, non, attends, il a doublé. Il y a un film Hidalgo? Karate Kid 3. Le diamant du Nil. Oui, mais c'est jouable pour lui, hein. C'est jouable, hein. Alors, Alice au Pays des Merveilles, il fait le charpentier. La Belle et le Clochard, c'est lui qui joue Joe, le cuisinier. Tintin et le Temple du Soleil, c'est lui qui joue le chef de gare. Les 12 travaux d'Astérix, le Vénérable du Sommet, c'est lui. Les aventures de Bernard et Bianca, il joue Luc. La Balade des Dalton, alors c'est marrant parce que il a doublé William Dalton, mais il a aussi doublé Jack Dalton. Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, alors ça c'est un film d'animation qui appelle à personne. Le Seigneur des Anneaux, c'est lui qui fait Gollum. Alors là, je vous parle du film d'animation des années 80. Qui était pas mémorable, sinon les gens s'en souviendraient. Métal Hurlant, c'est lui qui joue la crapule. Enfin, Jack. Du coup, j'ai envie de faire un live sur Red Dead, mais non, c'est des... Rox et Rookie, il joue le blaireau. Cathy, la petite chenille, il joue Théodore. J'ai jamais réussi à dire ce truc. Chipmunk Aventure. Serviteur du prince arabe, le chef des indigènes et le voix additionnelle. Liver et compagnie, il joue Tito. Pas le dictateur. Le petit dinosaure, il joue le narrateur. La petite sirène, il joue Eureka. Les Jetson, il... bon, c'est la première personne. Le prince casse-noisette, il joue oncle Drosselmeyer. Non. Bon, Masson et compagnie, il joue l'oiseau dodo. Porco Rosso. À parler à personne, mais Kurenai no Buta non plus en fait. Dans les films de Miyazaki, il a joué Paolo Piccolo. Par contre, c'est un film de 92 et lui, il a été rajouté plus tard en 95 demain. Atlantide, l'Empire perdu, il joue Jebidia à la 10. Buzz l'éclair, il joue le petit homme vert en forme de ballon. Chicken Run, Shrek, il joue le prêtre et il joue Geppetto. Les énigmes de la cantine, ils jouent Cookie. The Wild, ils jouent Cache le caméléon. Les Schtroumpfs, ça on sait. Astérix et le secret de la potion, ils jouent Atmosphérix. Et Joseph Dorel, il joue le grand-père. Il a beaucoup, mine de rien. Il a même doublé dans la famille Adams. Hein. Pour l'anecdote, c'est lui qui double Gomez. Hein. C'est pas une blague. Même dans Starsky et Hutch, l'homme de l'Atlantide, pareil, il était dans Zorro et Fils. Ah, je parle d'un film, enfin d'une série plutôt. Ça parle à personne. Deux flics à Miami, il a fait pas mal de voix. Dynasty, ouais, bon. Les contes de la crypte. Hein, il a joué dans les contes de la crypte. Série d'animation, les pierres à feu. Tu sais, Zorro et Fils. Ça va parler à personne, c'est une série des années 80. Qui va parler à personne, à mon avis. Mais je peux vous dire, je peux vous en parler, parce qu'en fait, c'est une série qui a fait un flop monumental. C'est une série que je connais, parce qu'en fait, elle s'est tournée... Elle a fait, je crois, 6 ou un peu moins de 7 épisodes. Je sais que c'est moins de 7. Elle a joué dans moins de 7. Elle a fait moins de 7 épisodes. Et elle s'est arrêtée net. C'est une suite de la série Zorro que nous on a connue. Qui ensuite a été mis en. Qui est passé du noir et blanc à la couleur. Alors, deux flics à Miami. Ouais. C'est une animation. Cathy, la petite fermière, il joue le grand-père. Cosmo Cat, il joue Mongor. Les bisounours, putain, il en a doublé. Hein. Il faut de l'argent pour vivre. Le Muppet Show, il a doublé pas mal de persos. Transformers aussi pour la série des années 85. Booba, pas celui auquel vous pensez. Oiseau bleu, Babar, il joue Cornelius. Super Mario Bros, il joue Merlin le magicien. Ouais, parce qu'il y avait une série d'animation Super Mario Bros. Ah, on était tous panés. Enfin, a priori en 89 on était pas nés. Les Schtroumpfs, ils jouent aussi Schtroumpf Grognon. En fait, ça me tue ça. Parce que ça lui va bien, Schtroumpf Grognon. C'est ça, bon, Bombay Caris.
S'il y a un film, on sait jamais, hein. Albert le cinquième mystère, la Panthère Rose, il a doublé la Panthère. Hein. Is No Good, pareil. Alors, ça va pas parler aux années 2000, mais Is No Good, c'est génial. Être calife à la place du calife. Et en plus, l'acteur de Fatal Bazooka, je trouve qu'il jouait bien le rôle. Courage de chien froussard. Sérieux? Putain. Il a même joué dans des clips. Ce mec, c'est une légende française. Quand il va mourir, je peux vous assurer que s'il n'a pas un truc à la Belmondo, on va pas s'entendre. Hein. Franchement, on va pas s'entendre. Hein. Il a 5 ans, 75 ans de carrière dans le monde. Il a 90 ans. Il a 75 ans de carrière dans le monde de la télé et du cinéma. Lui, à 15 ans, il était déjà au taquet. Nous, à 15 ans, on cherchait notre stage en 3e. Lui, il était déjà à la télé. C'est fou, quand même. C'est ce mec. C'est incroyable. Incroyable. Et la pauvre Marion Game, moi, que j'aime aussi beaucoup. Hein, elle a pas eu de chance. Hein. Elle a vraiment pas eu de chance. Non, on va pas faire toute la biographie parce qu'il faudrait qu'on avance. Biographie. Non, mais la pauvre, franchement, moi j'aurais aimé que. C'est triste, mais des fois il y a des gens, t'as envie qu'ils meurent. Enfin, dit comme ça, c'est bizarre, mais qu'ils meurent ensemble. Ah, Lucien Froussard, c'était génial, Courage de Lucien Froussard. C'était génial, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que ça faisait peur à certains. Mais par contre, sa fille, je crois, Marion Game, elle est actrice aussi. Je crois qu'elle est actrice, sa fille. Je suis pas sûr. Ou elle est dans un truc en tout cas. Et elle, sa filmographie, elle a pas mal de petits trucs derrière elle. Non. Les 11 000 verges d'Eric Lipnam. Cuillère. Arthur. Moi, j'attends Kaamelott chapitre 2. Hein. Et ça me fait marrer de savoir qu'elle a joué dans un film qui s'appelle Les 11 000 verges. Pas vierge. Ou alors, elle a une biographie incroyable au niveau de l'humour. Mon curé chez les Thaïlandaises. Blanc cassé, c'est génial, hein. Oublie-moi, vous ne l'emporterez pas au paradis. C'est, elle a une biographie incroyable. C'est vraiment au niveau des noms, je veux dire. Êtes-vous fiancé à un marin grec ou à un pilote de ligne? Franchement, le mec qui a traduit le nom du film, c'est vraiment génial, quoi. Ah là là, bon, on va pas taper toute leur biographie, faut pas déconner. Ma magie est remontée. Toi, va manger tes morts. De toute manière, t'es déjà mort. Bah, le problème que j'ai, c'est que j'ai aucune. Si j'avance, je me fais baiser, non? Regardez à l'estomac. Comment ça, regarder à l'estomac? Aïe! Attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais me quitter et je vais tester le. Je vais foncer dans le tas, on va voir ce que ça donne. Il va bien falloir à un moment donné que j'affronte un gros truc. Hein. Ça va, les squelettes, je commence à voir venir. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait vraiment. Il y avait cette complicité en fait entre Marion et. Hernandez qui était vraiment génial. Non. On est trop vieux. Vous connaissez le film? Il y a un film qui est génial. Je crois que c'est indien. Où il y a un truc, j'aimerais très bien le faire avec Yuki pour l'émission. Ça m'a fait marrer. C'est genre, c'est des mecs qui essayent de rentrer dans une cabine. Je crois dans un avion ou un truc comme ça, ils n'y arrivent pas. La porte, elle est trop épaisse et tout. Il y a une dame, elle prend un téléphone, elle appelle la cabine. La dame de la cabine répond allô. Et là, la dame qui a appelé prend un flingue, tire dans le flingue et ça bute la dame qui est dans la cabine. La balle passe à travers le téléphone et la bute. C'est bon, on peut y aller. Comment vous avez fait ça? C'est compliqué à expliquer. On fera ça une autre fois. Soit accordé. Ta gueule. Purifié. Je suis désolé, mais là. Pour que le monde soit purifié.
Je vais peut-être pas augmenter ça du coup. Quitte à devoir augmenter un truc, peut-être augmenter ma life. Ça vous suffit? Ouais, t'inquiète. Puisse votre force aider à purifier le monde. Bon, allons-y. Ça va prendre 10 ans, foncer dans le tas. Oui, c'était en allemand. Allô? C'est Was ist das? Je crois que c'est ça. C'est je crois ça. Qu'elle disait Was ist das? Apportez-moi un maximum en échange avec vos armes. C'était génial. C'est, tu connais peut-être pas ce truc, toi. Mais il a tourné dans les shorts. C'était. Non, c'était génial. Ça a tourné dans les shorts. Ah, je suis trop pauvre. On me dit dans mon oreillette que je suis trop pauvre en fait. Rien ne vous tente hein? Ou hollandais, ouais, je crois que c'est ça, on est d'accord. Hein. C'est un truc du genre. Bon, allons-y. Mais en fait, moi, ça me faisait le truc que je marié. Ah, sérieux? C'est génial. Merci pour les âmes. Hein. Tiens, peut-être pouvoir booster la magie aussi. Si je me démerde bien. En vrai, c'est ça, hein, les souls, c'est souvent ça. Hein. C'est pour ceux qui connaissent pas, souvent c'est ça. Hein. Tu farmes à mort en fait. Ouais, il a tourné. Ouais, ce truc a tourné. Ça a tourné à mort. Mais ici, ça le fait kiffer. Tiens. Ah. Il y a l'autre, on a entendu. Et c'est quoi cette hitbox? Alors, pour ceux qui savent pas, la hitbox, c'est ce qui définit deux choses. Enfin, c'est plutôt le contact. C'est-à-dire que normalement, ta hitbox, elle est censée te permettre de savoir si, oui ou non, il va y avoir un coup, tu vas toucher ta cible ou ta cible va, ou alors ton adversaire va te toucher en fait. Grosso merdo, la pointe de l'épée, c'est censé être la limite de la hitbox. Lui, il me frappe à travers la force. Ouais. Pas nécessairement, par exemple. Enfin, c'est en tout cas la perception la plus courante. Ça peut servir à définir, en fait, en gros, les dégâts, comment... À quel moment tu subis des dégâts, mais par exemple pour les interactions, quand tu essaies d'interagir avec un perso, c'est aussi le cas. Mais là-dedans, la hitbox, moi je sais que j'ai des amis, ils ont pété des sur les sous. Hein. J'en ai un, il a pété sa manette. Je sais pas, mais vraiment, je sais pas quelle force il a mis. Ah oui, non, raté. Voilà, t'inquiète, Rita. Normalement, c'est ça. Mais là-dedans, j'ai aucune idée de comment ça marche. Toucher le démon. Âme spirituelle. Essence de la vie. Âme perdue. Arrachée à son vaisseau. Que force. Si je peux avoir 20 de magie, c'est parfait. 20 de magie en termes de dégâts. Je vais bien essayer de tester le gros lard. Là. Je sais pas. Le gros lard. C'est simple. On est chaud. Avec vos armes. Qu'est-ce qui vous prend? Où allez-vous? Loin des vieux mecs chelous. Des vieux cailloux. C'est vrai que souvent, mais le problème qui est avec la hitbox, c'est qu'à une époque, on pouvait se permettre de laisser courir. Parce que, tout un temps... Voilà, quoi. Mais normalement, aujourd'hui, ça marche plus. On n'y a rien de respecté. Qui suit Demon... Jujutsu no Kaisen? David Goudenov, c'est ça, ouais, il était au développement, lui.
Et c'est... Imaginez plus tard, on nous fait une révélation. On apprend que David Goudenhoff, en fait, c'était Fantomas depuis le début. En réalité, c'était moi. Ça serait tellement marrant. Mais qui a reçu Jujutsu no Kaisen? Il y a quelques petits trucs marrants en fait là-dessus. Ils m'ont un peu fait marrer. Déjà, c'est le coup de pression qui est capable de mettre Sukuna à tout le monde, mais. Mais attendez, il roule vers moi. C'est quoi les dégâts qu'il me fait? C'est je me prends son pied dans les couilles? C'est ce délire là. Oui, donc je te disais, qui suis-je, Jujutsu Kaisen? Je sais plus qui est celui. Et je sais. Ah. Moi, il y a un truc qui m'a fait marrer. Bon, après, ça spoil un tout petit peu. Sukuna qui met un coup de pression à tout le monde en mode si un seul homme bouge, je le bute. Et moi j'étais en train de me dire attendez, mais il y a le panda, c'est pas un homme lui. C'est là tu vois où le wokisme entre en jeu. Mais moi je suis un panda. Moi c'est juste la communauté qui me semble un peu toxique là. Ils partent sur des délires. Et les gens qui disaient t'as l'impression que ça part en itachiste. Parce qu'avant t'avais Itachi religion, maintenant t'as les sukunistes. Les Gojis, t'as des religions qui se créent en fait. Ça va, c'est à deux doigts de nous dire qu'en fait, finalement, Jésus en fait. Moi j'aime bien Gojo pour un truc, c'est que ce mec il refoule beaucoup de choses avec de l'humour. En réalité, il refoule beaucoup de choses. Il y a une scène qui est vraiment. Alors je peux pas dire qui c'est. Disons qu'il revoit un ami qui lui est cher mais qui est mort. Et en fait, c'est un enculé qui a pris son corps. Jujutsu Kaisen, c'est un manga qui a fait sensation récemment. Vraiment, il a vraiment fait sensation. Moi, j'aime bien Itadori parce qu'en fait, c'est le mec qui est paumé H24. Ça, c'est moi en fait. À chaque fois qu'il se passe un truc chelou, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Et qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? C'est le mec, il est parfait quoi. C'est vraiment le type qui est paumé H24 et c'est le touriste qui débarque après avoir séché 5 cours, tu vois. Qu'est-ce que... Attendez. C'est quoi un discours épidictique? C'est le mec, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça parle avec des mots que je comprends pas? J'aime bien. Oui, mais Toji, si j'ai pas de bêtises, le père de Megumi. En fait, le truc qui est, c'est que vraiment, là, en ce moment, l'auteur, là, il nous a fait une Game of Thrones. C'est-à-dire qu'il est en train de buter un peu tous les persos. Tout le monde est en train de péter un plomb, j'adore ça. Ouais, son daron, lui, le pauvre, il a eu une histoire un peu très. Yes, c'est bon, j'ai 20. Ta gueule, c'est bon, j'ai compris. On va tester le gros. J'ai des daddies sur. Elle a des vues sur les papas. C'est pas du tout louche. Mais en fait, moi ce qui me fait un peu de la peine, c'est la communauté. Je pense que c'est les communautés qui peuvent se prendre. Par exemple, tu regardes la communauté. Alors, il y avait Durandel qui disait la communauté Kaamelott. Putain, mais c'est impossible. Ah, il y a limite pour entendre tout. Oui. Putain, j'ai oublié qu'il y avait encore des mobs. Ah, ouais, quand même, on voit un peu la différence, mine de rien. Bah en fait le problème qu'il y a malheureusement c'est que les gens ils pètent des plombs parce qu'en fait le tort tue tout le monde. Les mecs c'est pas... On n'est pas dans Naruto là. Vous voyez quoi? Ah. Ça peut être une strat effectivement. Bien dosé, bien trempé, ça se peut. C'est jouable on va dire.
Ah, vraiment, à 20, mine de rien, quand tu regardes... Seulement, j'avais un arc magique, putain. Par contre, vraiment, si vous voulez aborder les souls, il est parfait, ce jeu. Si vous voulez essayer d'aborder les souls un peu... Franchement, il est bien. Ça me met que... Ça me met que je suis trop couillon pour pouvoir manier... Attendez, what? Mais non. Mais non, mais c'est pas ça, moi. Ce que je voulais, c'était... Ah, il y en a deux maintenant. C'est parce qu'à un, c'est pas assez, tu vois. Ça, c'est trop couillon pour soulever cette épée. Ouais, vraiment. C'est vraiment... Écoutez-moi bien, espèce d'abruti, c'est trop lourd pour votre bras. Ah non, j'arrive à le soulever. Ce que tu disais de la gonzesse la dernière fois. C'est pas bien fini. Je fous des carreaux. Non mais vous deux là. Ça va. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Mais non, mais pour moi, si on peut... Ouais, c'est plus efficace. Il y a un mec, c'est ça? Enfin, machin. C'est pas compliqué, en fait, hein, pour faire marcher. En fait, t'as juste à mettre le linge dedans, à mettre le savon dans le compartiment... T'appuies sur un 2-3 boutons, c'est facile hein. Poser la température, etc. Bon voilà. Me dites pas qu'il faut que je me suicide pour passer. Non, le cadavre qui est par terre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Voilà la rivière, ouais, comme les lavandières. Mais comment on passe, bande de connards? Comme ça? Non. Presque sûr que c'est pas comme ça. Presque sûr que c'est pas comme ça. J'essaye d'être féminine. Tu sais, faire le linge, c'est pas spécialement masculin ou féminin. Hein. Enfin, je pense pas. Hein. Flamme l'arme dans la main droite. Que dalle, ça permet de voir que dalle, ça me met juste à la première personne, c'est tout. Frapper les gens avec une baguette. En attendant que ma magie se régénère, je vais essayer de tuer des monstres avec mon épée. Là-haut. De qui? De Maïté? Je la connais pas personnellement. J'essaie d'entretenir mes sourcils. Non, parce que ça s'entretient les sourcils, donc j'écoute des choses. Hein. Connard,
Attendez, faut que j'aille au bout du truc. Une différence. Ah, ok, d'accord, autant pour moi. D'ailleurs, il y a les monos de sourcils dans le jeu, dans mes souvenirs. Il n'y a pas de mob là-dedans, c'est juste je vais me faire niquer des deux côtés. Il n'y a pas de mob. On va tester le couloir. Voir s'il y a. Dans le doute, on sait jamais. Testons d'aller en bas. Toi j'aurais ta peau toi. Piège au sol. Ah, il y a un connard qui roule. Roule ta mère. Mais des nouvelles de qui? Une femme traditionnelle. Ça, tu vois, ça peut être un argument, ça. Hein. Je connais pas du tout Orti. Deux secondes, laissez-moi vite fait me cultiver. Je connais pas, moi. Attendez. Mais elle a un mono sourcil de base. Il est mort comment lui? Il est mort en revenant en arrière. Les traduites et le plus. Les traditions et le grand plus haut. Ah ok d'accord. Roland, faut aller en haut. Attendez, il passe à travers le sol là. Oh. On va se calmer au bout d'un moment. Regardez, le mec il roule à travers le sol. Arrête de tourner, connard. On va aller sur Star Wars, hein, parce que là, vous voulez la force, c'est pas de mon côté. Mais il fait quoi, ce connard? Ah, vas-y. Mais pourquoi lui, ça marche et moi non? Regardez-moi ce connard. Kane, j'aurais ta peau, hein. Donc ouais, rayon. Là, le tunnel droit devant. Comment ça, droit devant? Hein? Oh, j'ai trouvé la voie 9-3-4. C'est bien fait graphiquement, mine de rien. Il y en a un qui galère là, ça veut dire qu'il y a un mob. Ou alors c'est l'autre connard qu'il y avait avant. Il est temps de faire une roulade. Ah. Oh, putain. Ah ouais! Par derrière aussi. Ah
un qui fume pas et qui ne boit pas. Putain, merde, je suis content. Ah, je saigne, mais c'est pas toi, moi. Vous saignez. Oui, bah oui, merci. Putain, mais cette exploration. Sèche perdu 50-50, c'est-à-dire. Lui, il ramène la nourriture et toi, tu la cuisines. C'est vague le 50-50. Oh, ça va, c'est quand même un peu généreux en objet. On récompense l'acharnement. Bonjour. Vous m'avez sauvé. Bon Dieu, je n'en reviens pas de m'être fait avoir. Je vous dois une fière chandelle. Je suis Bleach, pilleur de tombes. Pour vous remercier, je peux vous fournir des biens. On a tous besoin d'un peu d'aide dans ce lieu maudit. Ah, si t'as de la bœuf, mec, je prends. Oui! Ah, cet homme, c'est un bon. Ah, c'est un bon. Un fauchon. Même des armures, putain. Ah, c'est pas forcément con, c'est bien aussi des fois de correspondre à un truc. Arc long. Ça, c'est pour me dire d'aller me faire enculer, parce que forcément, moi, je suis au niveau des tailles, je suis petit, hein. Enchante l'arme dans la main droite. Le fauchon que j'ai. Ça vous va ? J'en aurai d'autres la prochaine fois. Que notre relation soit durable et fructueuse. Super, mon fauchon. Mon fauchon, il fait 60. Mais il. Je sais pas, il y a un truc de boost, mais j'arrive pas à savoir. Attendez. Un connard. Ah, dit comme ça, c'est un connard. C'est cash. Un fauchon du croissant, qu'est-ce que... Je suis désolé, je vais faire un truc. C'est depuis qu'ils ont ramassé... C'était mon type de mec. Ah! Ah putain, amour sucré, j'avais une ex qui t'a pendu. Mais comment ça, ils ont trouvé de mieux que le fauchon au début du jeu sous ma gueule? Ah, c'est une arme améliorée plus tard, ça. Ah, vaut mieux avoir un mec gentil et drôle, en fait, qu'un mec beau gosse et con. Enfin, qu'avoir plutôt un connard fini. C'est mieux. Mon arme, la meilleure. Ici, non, mon cimetière fait 87. Ça, c'est pas un problème. Au niveau de mon équipement. Ne soyez pas avare. Il faut parfois savoir. 26 et 19. Ça c'est rare. T'as donc fait une reconversion. Âme de l'illusion du héros. Oh, bonjour. Acheter un objet. Ah bah oui, je peux acheter plein de trucs, mon vieux. Bouclier rond en cuir, ça c'est beaucoup plus maniable pour moi. Il me faut de la bœuf, il me faut beaucoup de bœuf.
Combien j'en ai, tiens. C'est même pas affiché combien j'en ai. Les fiches fraîches. On peut un grand nombre de PV, ça coûte plus cher. Putain, le mec, il se gêne pas. Hein. Je suis quasi à sec, c'est bon. Ce temple servait au rituel funeste d'une ancienne tribu. Elle a disparu. On parlait de Castiel, c'est vrai. Maintenant, les démons font travailler les âmes. Ici, on ah, le capitalisme, des choses qui sont déjà mortes, comme des squelettes et des rôdeurs de l'ombre. C'est ce qui me plaît dans cet endroit. Mieux vaut cela que de tuer des humains sans âme, hein? Un humain sans âme, c'est toujours un humain. Mieux vaut cela que de tuer des humains sans âme. Ah, c'est un gros délire, à un moment donné. Après, c'est devenu tellement payant que les gens ont lâché. Ça vous va? J'en aurai d'autres la prochaine fois. Ouais. Non. Non. Bon, ouais, je vais me retaper le chemin dans l'autre sens. Sérieux? Moi, je préfère le Castiel de Supernatural. Ouais, j'adorais Crowley. Cet acteur, il était incroyable. J'entends bien le cri, moi. Y'a quoi en haut? On entend les âmes des personnes torturées. Les âmes de ceux qui ont pas acheté le pass Navigo à 80 balles. Oh, le coup de nard, mais... Visez, putain. Ah. Moi, bon, gueuler, c'est jamais vraiment une solution. Enfin, ça dépend. Si t'es en présence d'une bande de cons, des fois, une sorte de battle de qui crie le plus fort. C'est comme ça c'est comme ça qu'on discute chez certains. Ils ont tout fait pour qu'on puisse pas les toucher, c'est pas possible. Ah, ça dépend. Moi, j'en avais une qui avait un fantasme maudit où vraiment elle voulait être dominée, engueulée et tout. Enfin, la totale. Allez, bonne nuit. Ah, un arc. Génial. Cœur de femme. Il y a une blague d'un pote que j'adore, que j'avais vu sur PSFB tourner, c'est qu'elle est 2 chromosomes X. Non, je pense que j'ai pas des masses de critères en fait. Juste qu'elle s'occupe des gosses, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir genre un simili de ce qu'était ma mère qui était vraiment pas douée pour la pédagogie et tout. Ma mère, quand il s'agit des élèves, est très douée, quand il s'agit de moi. Enfin, quand il s'agit de nous plutôt. Ah, on peut grimper, putain, je découvre des trucs maintenant. Bon, on teste le gros et si je meurs au pire c'est pas grave. On teste ça sur ma tombe. Ah, si je meurs c'est pas grave. Putain, mais il y a le problème, c'est que le piège il va se réactiver ou pas? Non, il se réactive pas. Bon. Arc, c'est un critère de... Ah non, ah d'accord, ok, j'ai pris. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un moyen pour qu'on parlemente? Moi je garde ma baguette à portée de main. Il me suit du regard, mais il m'attaque pas en fait. Je suis saphiophile. Ouais, lui il s'intéresse plus à la personne à l'intérieur qu'à son apparence. C'est ça, grosso merdo, hein, ça profite. Ouais, je suis assez rousse, hein, je suis un peu comme toi, j'en dis. Assez branché rousse. Je me souviens pas pourquoi. Je me souviens que j'avais un pote au collège qui fantasmait sur notre prof de maths parce qu'il était rousse. De là, ouais, non, mais là, il y a quand même une limite. Moi, je veux bien que les fantasmes soient divers et variés, mais. Là, je te suis pas.
que je peux passer sans me faire niquer, c'est la question à lui. Yatagan. Yata ? Yata quoi ? Yatagan. Putain, mais c'est qui le connard qui... Attendez, ça tire ça ? Ou y'a un archer quelque part ? Comment vous voulez que je touche ça, mon dieu ? Non, mais je suis blond, mais là, mais je veux dire, je suis très assez branché rouge, ça prend net. J'aime bien les latinos. Enfin, les latinas plutôt. Les latinos. Intéressant. Et ensuite. Il y a un connard avec son arc et ses flèches. Et il y a le gros devant, putain. C'est ça là qui tire. Mais d'accord que je me fais attaquer par une Raymanta là. Hein. Yes. T'as pas beaucoup dit. Ouais, j'ai pas eu les meilleures expériences. Hein. J'avais une portugaise qui était géniale. Sauf qu'en fait, j'ai fait l'erreur malheureusement en étant sous médoc assez lourd. Sans faire exprès, j'ai dragué une autre fille et du coup, voilà. Hein. Et sinon l'autre c'était un enfer. C'est-à-dire que je m'étais pas remis de mon de la saloperie que j'avais fait avant, mais voulait absolument qu'on soit en couple. Je dis je suis pas remis encore. C'est chiant. Ça attaque quoi là-bas, étant donné que moi je suis là. Ça va pas me laisser passer ça. Bonjour. J'ai pas le choix hein. C'est parti, on va mater un gros. Attendez, pourquoi il touche pas ? C'est moi ou je le pique juste un peu, moi, avec mes dégâts ? Oui, c'est ça. En fait, je crois qu'on a un stade vraiment où c'est beaucoup plus. On est beaucoup plus sur. On est beaucoup plus sur. Arrête de crier. C'est vrai que avec le temps, bah faut dire ce qu'il en est hein. Maintenant si tu veux quoi ? Si tu veux un plan cul, moi je peux t'en trouver sans problème. Hein. Et si tu veux une relation qui dure, c'est différent. Putain mais sniff plus d'épices, connard. Allez. Alors parti. J'aimerais bien tester un truc. Ah non, je peux pas moi, il faut que j'aille voir l'autre mec pour changer de sort. Oui, je peux taper dans le fond. Moi, je peux faire taper dans le fond. C'est mieux. Et ben voilà. Le gros lard, c'est fait. Une porte aussi. Âme de démon gris, tu vois, il y a les démons noirs, les démons gris. Ushigatana, quoi ça? Trouve beaucoup d'épées moi. Oh yes. Ah merde, j'ai pas les caractéristiques pour le manier. Oh l'enfoiré. Cette espèce de Raymanta, trouver l'homme idéal et tout, ça veut dire quoi ça piophile? C'est à dire qu'il s'intéresse plus à ce que t'as dans la tête que ce que t'as dans les seins. Enfin, les seins, ça joue quand même un peu. Faut pas déconner. Espèce de sale petit fils de. Mais. C'est normal ça, les devs? Le machin, il a une.
portée d'enculé. Et moi, vous me donnez rien. Oui, j'ai un pote qui est sapiophile, parce que je connais bien. Ça dépend le level de connerie. Les gens qui a des... sortira pas non plus avec une gourdasse. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Ah, ça pue. Ouais. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Je vais aux questions émotionnelles. Je vais aux questions intellectuelles, non, aux questions émotionnelles. Ok. Éclat de pierre nébuleuse. Je connaissais les chaînes nébuleuses. Enfin, les chaînes nébulaires. Qu'est-ce qu'il a branlé? Comment t'es mort? Ah ok, d'accord. J'ai compris maintenant. Bah disons qu'en fait, si tu veux faire ta vie jusqu'au bout avec une personne... oui, ah oui, ça prend doucement à t'ouvrir après... les différents types d'ouverture, mais globalement, oui, par exemple, oui. Oui, c'est bien. C'est toujours un enculé dans ces endroits. Bah j'ai trouvé, c'est bon. Ah là. Non, ça va. Disons qu'en fait, nous on réfléchit aussi sur le fait d'arriver à un certain âge, hein, quand on est un gamin, on s'en fout. Arriver à un certain âge, tu penses aussi à est-ce que... Il a glissé sur un caillou. Ah oui, t'as fait. Oui. Après, moi, ma famille, c'est dépend des. Après, on a vu des problèmes de compagnie. Le problème, c'est qu'on peut pas se débarrasser. C'est un peu compliqué. Après, si j'ai pas à connaître un expert. Avec une TN? C'est quoi, c'est une TN? Le problème souvent c'est ça, la communication avec la famille. Non, ça, ça va tomber. Ah non. C'est vrai que c'est compliqué les familles maintenant. Avant ça allait quoi, mais c'est parce qu'en général on refuse tout en nous. Maintenant on essaye un peu de s'ouvrir, mais bon, de l'autre côté ça joue pas le même jeu, donc bon, c'est compliqué. Forcément une couille qui est top. Voilà. Pourquoi il y a des Raymanta qui volent? Je me souviens plus de ça, moi. Attention aux faux messages. Il y a des faux messages maintenant. Ça le crie, hein. Ah, ça va être malgré tout. Bah, ce qui est dommage, c'est de pas pouvoir s'ouvrir en fait, parce que ben forcément, les gens ils sont, il y en a qui sont pas vraiment très ouverts d'esprit, on va dire. C'est un peu dommage, ça. Bon, mais vraiment, on va laisser ça de côté. Mais elles sont vraiment terrifiantes, hein, les Raymanta. Enfin, elles ont un côté vraiment glauque et terrifiant. Ah, il me reste de l'épice. Ah, je peux fumer l'autre enculé. Attendez.
fumer l'autre foiré là. Non, pas tombé. On va éviter. Non, pas abandonné. Bah disons qu'en fait, étant donné qu'on a eu des relations qui n'étaient pas ouf, forcément on doit faire en sorte justement que ça recommence pas en fait. Et sa mère, tu vises ou pas? Ah le mec, faut viser au-dessus de la ceinture. Enfin viser au niveau des pieds. Ça, tu m'étonnes si t'es tout seul. Le plat de pierre tranchante. Il s'est pas pris une reprise. Il s'est pris une reprise de volée dans la gueule. Oui, ça, bah c'est ta copine, c'est un mec qui va nous dire. Bouclier du juge. Tu peux juger des gens avec un bouclier. Bouclier du juge. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un grand bouclier en bois orné d'une scène aux couleurs vives représentant le jugement des morts. Au dos, une devise est gravée dans une écriture ancienne. Faire preuve de couardise, tout comme manger des oiseaux, ne scie point un héros des tempêtes. Si celui qui est jugé déplaît au seigneur du juge, le corbeau doré, son âme sera rongée jusqu'à ce que seul reste ses os. Ah, ressort petit à petit les PV du porteur. C'est bien ça. C'est quoi les attributs requis pour le manier? Il faut qu'on me faut. Ah, plus de force. C'est vrai qu'il y a ça aussi, il y a ce débat de vraiment, des fois t'as pas envie de recommencer, quand déjà tu t'as essayé plein de fois, c'est, t'as pas envie. Moi je connais des gens, vraiment ils ont pas envie de se remettre en couple, ils se disent pourquoi je vais me rajouter du stress en plus? Pourquoi je vais me prendre la tête à perdre du temps et tout, essayer de reconstruire à nouveau quelque chose? Franchement, j'ai autre chose à foutre moi. Attention un piège, ah oui je le vois le piège. Ah ouais, par derrière. Sympa. Âme du héros inconnu. Ah, vu qu'on ne se connaît pas, c'est pas grave. Bon, ça restaure un peu les PV. Ça rend de la vie. Bon, je suis pas totalement assez fort pour le manier, mais ça va. C'est le mec vraiment qui essaye de positiver alors qu'il est dans un plein purgatoire. Ça, c'est intéressant, ça, par contre. Rester célibataire pour essayer de mieux se comprendre. Des fois, de se remettre en question aussi. Il y a un truc souvent que malheureusement ils font pas, je sais pas pourquoi, ça marche dans un sens ça. Moi en général quand il y a un problème dans mon couple je me remets en question. Je me demande peut-être ce que j'ai dû foirer, ou où est-ce que je me suis loupé ou autre. Et tu vois en face il y a rien. Échapper à des projectiles, quels projectiles? Ah ouais ça. Raté, il va falloir se bouger le cul si tu veux m'avoir. Ah putain, ça utilise même sa queue. Ah bah c'est normal. Moi par exemple, une de mes plus grandes craintes c'est la santé. C'est-à-dire moi j'ai. C'est vraiment une crainte que j'ai. Et si mes gosses ont eu autant de problèmes de santé que moi j'en ai eu, ça peut être une horreur pour eux. Pour certains, ça peut ruiner des vies. Hein. Ouais, ça rend bien de la vie. Squelette droit devant. Qui met un squelette? En plus, avec un fauchon pareil. Non, mais allez-y, hein. Attention, parce qu'en plus. Vu que c'est escarpé. Ça m'est. Vous en brûlez où? C'est pas une faiblesse d'être sensible. Ce qui est. Faut pas confondre avec ce qu'on appelle les snowflakes. Oui, quand on. Oui, par exemple avec des snowflakes, oui. Mais c'est pas une faiblesse d'être. Au contraire, la sensibilité c'est aussi important. Oh!
Merde. Star Wars. Allez. Star Wars. Allez, on va sur Star Wars. C'est ça, hein. Malheureusement.